Espérons que vous avez passé une bonne semaine. Et si ce n'est pas le cas, vous avez quand même eu raison de faire le choix de venir adorer et louer Dieu ensemble avec nous aujourd'hui. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons commencer le programme avec une prière. Et nous vous présentons nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Inclinons nos têtes. Louange et gloire te soient rendues, Dieu trois fois saint. Nous voici devant toi pour te remercier pour cette semaine que tu nous as donnée. Merci aussi pour ce jour de sabbat, jour mis à part pour tes enfants. Nous venons à toi, mon Dieu, et nous voulons remettre entre tes mains le programme que nous avons préparé, qu'il soit pour ta gloire, mais surtout que nos cœurs puissent s'ouvrir et recevoir les multiples bénédictions que tu as mises à part pour nous. Hâte les pas de ceux qui sont en retard et que chaque personne qui sortira de ce lieu sorte édifiée à salut. Que ton nom soit élevé, glorifié, et nous t'avons fait monter cette prière parce que Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix du calvaire et en son nom et pour sa gloire que j'ai fait cette prière. Amen. Vous pouvez rester debout, vous asseoir comme vous le souhaitez. Nous allons continuer dans cet élan en acclamant le nom de Jésus. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges
et nous n'arrêterons jamais. Dieu, toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Amen. Bonjour. Bienvenue à l'église de Paris-Est Bagnolet. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Bon sabbat à tous. Je vais vous proposer de rester debout. Et nous allons proclamer cette fois-ci les promesses du Seigneur parce qu'elles sont pour moi et pour vous également. Les promesses du Seigneur. Ensemble, les promesses. Les promesses du Seigneur sont pour toi et ses promesses sont là. Il me l'a promis, elles s'accompliront. Les promesses du Seigneur, les promesses du Seigneur, les promesses du Seigneur sont vraies. Amen. Les promesses du Seigneur, les promesses du Seigneur sont pour toi et moi. Dans sa parole, oui, ses promesses sont là. Les promesses du Seigneur sont vraies. Vous rasseoir. Oui, les promesses du Seigneur sont vraies. Nous avons eu l'occasion de le constater cette semaine encore avec la suite de l'histoire de Joseph. Donc Joseph, prince d'Égypte. Joseph est élevé à la plus haute fonction en Égypte. Dans cette position, il peut voir se réaliser ce que Dieu lui avait montré en rêve. Ses frères se prosternant devant lui en signe de révérence. Que devait-il faire ? Se venger du mal qu'il leur avait causé ? Leur pardonner et oublier le passé ? Pour un croyant comme Joseph, le pardon est l'unique option. Cependant, il ne s'agit pas d'un pardon aveugle. Joseph voulait s'assurer que l'histoire n'allait pas se répéter. Je vous invite à vous réunir dans les classes pour débattre autour de cette leçon et vous donne rendez-vous à 10h30, donc vous avez précisément 40 minutes. Merci, à tout à l'heure. Bonne étude. Merci Annie. Merci Eric. Quelle ascension! Joseph passe du statut d'esclave au statut de gouverneur d'Égypte.
Il est resté fidèle à Dieu. Il ne s'est pas enflé d'orgueil, conscient que Dieu avait tout prévu dès le début. Lorsque ses frères découvrent son identité, il les rassure. Ne vous tourmentez pas. Ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour que je sois, pour que je vous sauve la vie. Genèse 45, verset 5. Oui, Dieu a le pouvoir de transformer le mal en bien. Nous n'avons pas besoin de régler les choses à notre façon. Joseph avait toutes les raisons de rendre à ses frères la monnaie de leur pièce. À cause d'eux, il a été esclave, éloigné de son père. Ils lui ont volé une partie de sa vie. Et au lieu de se venger, Joseph fait preuve de bienveillance et d'amour. Il fait le choix de pardonner. Quelle leçon pour nous aujourd'hui. J'écoutais hier une émission à la radio qui parlait justement du pardon. Et il y a une psychologue qui intervenait pour montrer justement les bienfaits du pardon pour soi, quand on pardonne. Combien ça fait du bien et qu'on peut éviter bien des problèmes, même physiques. Et dans cette émission, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a eu deux témoignages, deux personnes qui ont appelé pour témoigner, pour expliquer justement s'ils pouvaient pardonner ou pas. Et l'une des personnes racontait qu'il a un drone et qu'il a bien sûr le permis pour faire voler son drone, hein, puisqu'il faut un permis de la direction de l'aviation. Et donc, il utilisait son drone, sauf que le drone passait sur les propriétés de quelqu'un qui n'appréciait pas du tout. Et ce propriétaire lui a fait comprendre qu'il n'était pas content et qu'il avait intérêt de partir. Donc, il était un peu vexé, ce monsieur, avec son drone. Et il dit, bah non, j'ai le permis. Et le propriétaire lui dit, non, mais il lui a bien fait comprendre assez violemment, verbalement, qu'il avait intérêt de rentrer dans sa voiture et de repartir. Alors, c'est ce qu'il a fait, ce monsieur, il est reparti. Et il raconte en fait qu'il est reparti, mais ça l'a travaillé, il était vexé, frustré. Donc il est rentré chez lui et il avait un sac avec des clous et des vis rouillés qu'il avait depuis très longtemps. Et il a pris ce sac le soir, il a pris sa voiture, il est retourné là où il faisait voler son drone sur les propriétés de ce cher monsieur et il a semé tout le sac de clous et de vis rouillés tout le long du chemin, parce que le monsieur, il avait un chemin pour accéder à sa maison, avec une montée, et il a semé tout le long ses clous. Et en fait, bah, après, il était content, quoi. Il a eu une satisfaction personnelle, parce qu'il s'est dit, bah, là, il va changer les pneus quelque temps, quoi. Donc, c'est une façon comme une autre, effectivement, de réagir par la vengeance. Mais parfois, on peut aussi faire d'autres choix. Et il y a eu un autre témoignage d'un monsieur qui a été trahi parce qu'il il avait sa copine avec qui il est parti en vacances et son meilleur ami. Et un soir, il se baladait au bord de la plage et il constate en fait que sa copine le trompait avec son meilleur ami. Et ce monsieur expliquait que des années après, il a ce poids en fait. Et il a vraiment du mal à pardonner. Et il constate que finalement, c'est lui le perdant parce que c'est lui qui en souffre encore. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, si Dieu nous permet d'avoir encore cette histoire, parce qu'on la connaît, l'histoire de Joseph, depuis qu'on est tout petit, pour ceux qui ont dit dans l'église, on l'a entendue encore et encore, mais elle est encore d'actualité, parce que cette histoire doit nous inciter à pardonner, à demander pardon, à rester fidèle à Dieu. Et cette histoire m'interpelle aussi sur un autre aspect, c'est le partage. Joseph, quand Dieu l'a béni, il a partagé avec sa famille. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous formons une famille spirituelle. Est-ce que vous en êtes sûr de ça? Oui? Oui, nous formons une famille spirituelle. Et Dieu nous demande aussi de partager ces bénédictions qui ne sont pas toujours matérielles.
Peut-être que vous avez passé une excellente semaine. C'est une grande bénédiction. Auquel cas, vous pouvez discuter, encourager ceux qui ont une semaine plus difficile. Alors, nous vous donnons rendez-vous, l'école du sabbat, après le culte, pour passer à l'action et pour partager ensemble ce que vous avez ramené. Donc, ça se passera juste après le culte. J'invite l'équipe de l'école du sabbat désignée à faire le recueil des offrandes et nous allons chanter dans le même temps. Si du nid tombe l'oisillon, Dieu m'aime. Et nous allons le chanter de façon particulière à la version chorale Eden. Ensemble, si tu nies. Si tu nies tombe l'oisillon, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. On la met sur un chandelier, et là, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais comment être cette lumière ? Bonne question. Et en vrai, c'est là que tout commence.
Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche, dit l'Éternel. Et pour moi, c'est le premier point le plus important. Si nous voulons être une lumière, il nous faut chercher la lumière. Vous savez, beaucoup d'incohérences viennent du fait que nous ne cherchons pas et que nous nous contentons de coutumes ou de choses que nous avons entendues. En fait, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et comme Paul disait à Timothée, nous devons chaque jour nous appliquer à l'étude des Écritures et laisser Dieu se révéler à nous à travers elles. Car en vrai, celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. C'est comme un puzzle. Beaucoup de choses sont liées et convergent vers une seule et même personne. À chaque pièce trouvée, cela vous permet d'entrevoir la finalité. Qui est Dieu, c'est une personne. Et lorsque vous êtes éclairé et que Dieu vous fait cette grâce de comprendre sa parole, vous réalisez que vous avez un devoir envers ceux qui vous entourent, une mission. Allez. Allez y enseigner ce que je vous ai prescrit. Que l'occasion soit favorable ou non, parlez et faites luire la lumière que vous avez reçue. Que chaque être humain sache, afin qu'il puisse faire un choix avant qu'il soit trop tard. Et ça, ce n'est que le début de l'histoire. Je suis un missionnaire. Et toi? Je suis un missionnaire. Et toi? La question est posée. Je répète. Je suis un missionnaire. Et toi? Amen. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes tous missionnaires. Tout le monde a été appelé, du plus petit jusqu'au plus grand. Je viens devant vous pour les 10 minutes missionnaires et je ferai court. En ce sabbat matin, juste pour vous rappeler qui nous sommes, notre identité. C'est vrai que la vie avance, les choses se concrétisent, nous voyons que nous sommes occupés à gauche, à droite, mais est-ce que nous oublions qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, rachetés de Jésus-Christ? Et nous sommes tous des missionnaires, chacun a quelque chose à apporter. Et rappelez-vous, dans la parole de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus avaient le feu en eux parce que Jésus a fait de grandes choses dans leur vie et tout de suite se sont mis à annoncer, à proclamer Jésus. Et rappelez-vous aussi dans votre vie que quand nous avons accepté le Christ, tout de suite au début, nous étions tout feu, tout flamme. Et malheureusement, des fois, ça peut arriver par le temps, par les épreuves, par les complications, par les difficultés, par les mauvais choix. Et bien malheureusement, cette flamme en nous que nous avions à la réception de la grâce de Jésus-Christ a commencé à s'éteindre. Mais mon encouragement ce matin, c'est que cette flamme, comme vous l'avez vu dès le début de la vidéo, soit allumée pour nous, car nous représentons Christ sur cette terre, les ambassadeurs, et aussi pour les autres qui nous entourent. Donc mon encouragement pour chacun d'entre nous, dont moi le premier qui vous parle, parce qu'on est ensemble, c'est que nous puissions chercher Dieu, chercher qui est Dieu, pour que par la suite nous pourrons, par le Saint-Esprit, parler de lui sans forcément que d'autres puissent venir et nous dire
il faut aller, parce que nous vivrons authentiquement notre communion avec Dieu. C'est bien de s'encourager. Il faut, Dieu nous encourage. Mais Dieu nous demande aussi de ne pas oublier qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu rachetés pour proclamer cette bonne nouvelle. Pour finir, comme je dis que je ferai court, j'ai un passage que je vais vous laisser dans 1 Jean 4, le verset 8, qui nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est... » Je répète, car je n'ai pas senti avec moi. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est... » Que Dieu vous bénisse. Si Dieu est vraiment amour, aimons-nous aussi les uns les autres et aimons aussi notre prochain. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous tenir debout pour la dernière prière. Oui, Seigneur, comme Joseph, nous voulons être fidèles. Fidèles à ta parole, fidèles à toi, malgré les trahisons, les injustices, les déceptions. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs pour que tu puisses mettre en nous ta bienveillance, ton amour, et que tu nous disposes à accepter le pardon des autres et à pardonner aux autres. Bénis ton peuple en Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. L'école du sabbat vous remercie pour votre participation. On vous donne rendez-vous à sabbat prochain, 9h30. Bon sabbat. Parlé tout à l'heure. N'oubliez pas évidemment à la fin du culte, nous vous attendons à la sortie de l'église pour le moment de partage. Merci. Bonjour à tous, je vous prie de prêter une oreille attentive aux annonces qui vont suivre. Donc comme nous venons de vous l'annoncer, nous attendons à l'issue du culte pour un moment de partage et pour profiter de ce que les uns et les autres ont pu ramener. Aujourd'hui aura lieu un culte liturgique et à l'issue de ce culte, les compagnons et aînés vous attendent pour partager avec vous les moments qu'ils ont passés à Montluçon. Le vendredi 24 juin aura lieu une ouverture du sabbat fraternel, en temps de communion fraternelle pour ouvrir le sabbat ici à Bagnolet en présentiel à 19h. Donc c'est vendredi et pas samedi. Le samedi 25 juin, ce sera une journée spéciale organisée par la GCV et qui sera animée par le responsable de l'Union franco-belge et de la GCV. À l'issue de ce culte du 25 juin aura lieu un repas fraternel. Donc nous vous invitons à tout simplement, votre participation est nécessaire pour que vous puissions partager ce repas en particulier avec le responsable qui sera là ce jour-là. Le dimanche 3 juillet sera une journée de troc organisée par la MAE. Et nous vous rappelons que tous les mardis, nous faisons des réunions de prière à 19h. Donc les codes et les mots de passe sont affichés à l'écran. Ensuite, comme vous le savez, demain, nous célébrerons l'union de deux personnes de notre église. Donc, toute l'église est conviée à la cérémonie à 13h30. Pour les personnes conviées au banquet, vous êtes priées de vous organiser pour le covoiturage. Nous avons aussi une autre bonne nouvelle à vous annoncer de la part de la famille des Illus. Donc, Katie, Anderson, Ilan et Iliana ont la joie de vous annoncer la naissance de leur fille et petite sœur, Ilona Anne Emeraude Desilus, née le 31 mai 2022. Depuis son arrivée, elle fait la joie de toute sa famille. Ils auront prochainement l'occasion de vous la présenter et d'ici là, ils vous souhaitent tous leurs vœux. Voilà. Bon sabbat à tous et je vais laisser la parole à Mano et Sergine.
Bon, il faut y aller. Bonjour tout le monde. Vous avez passé une bonne semaine ? Merci Seigneur alors. Oui, Mathieu et moi, nous voulons juste, donc vous l'appelez Mano. Mais moi, bon, je connais Mathieu. Voilà, donc c'est juste pour vous remercier à tous ceux qui ont été présents pour nous soutenir. Et ici, et aussi bien que ceux qui étaient à la salle, pour tout ce qu'ils ont pu faire, je les remercie vraiment. Nous les remercions, vraiment, de tout cœur. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Merci. Pas grand-chose. Et bon, juste un petit témoignage, c'est juste que pour encourager d'autres sœurs qui aspirent au mariage, quel que soit l'âge, je pense que vous vous souvenez du chant qu'il y a eu quand nous sommes rentrés, les paroles. Donc pour dire que avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard parce que c'est lui qui connaît toutes choses avant que nous, on arrive à le savoir. Donc, je souhaite à ces sœurs de continuer à croire en Dieu. Et les frères. Ah oui, il y a les frères, je m'excuse. Oh, excusez-moi. Hein. Les frères aussi, c'est vrai. Donc, à tenir bon et toujours garder cette foi. Parce qu'aujourd'hui, je peux remercier Dieu. Ça n'a pas été facile. Quand on est adolescent et on se retrouve dans un cortège, donc, après, on a des rêves. On se dit, eh bien, un jour, ça sera pour moi. Mais la vie a été autrement pour moi. J'ai élevé mes enfants seuls, mais pas vraiment seuls parce que Dieu était là. Même si j'ai pris beaucoup d'années pour le comprendre, il était toujours présent. Donc, pour dire que ça fait 19 ans que j'attendais ce jour. Alors, gardez la foi, les frères et les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Pour stopper la propagation de la maladie, un autre groupe de femmes s'est mobilisé pour distribuer des centaines de masques. Elles ont aussi donné des vêtements chauds pour permettre aux familles de passer l'hiver. Une nourriture saine pouvait être difficile à obtenir. Aussi, chaque semaine, des adventistes s'en vont dans les villages reculés pour apporter de la nourriture chaude aux enfants les plus infortunés et vulnérables. Plus de 400 enfants en ont profité. De plus, en vue de ce partage de nourriture, le département du ministère des Femmes a pu diffuser des émissions et des programmes spéciaux, y compris une semaine de prière. Les études journalières ont été diffusées sur plusieurs radios et médias, sur YouTube et Facebook. Des milliers de spectateurs et d'auditeurs étaient à l'écoute chaque jour. Et à la fin de la semaine, les réactions ont été enthousiastes. Beaucoup ont désiré en savoir davantage au sujet du Christ et de l'Église adventiste du septième jour. À La Réunion, le département du ministère des Femmes a mis chaque jour en onde, à 5h, un culte matinal sur Google Hangouts. Cela a été une belle expérience. Régulièrement, 25 personnes y assistaient, y compris quelques non-adventistes. En dépit des difficultés, les femmes du sud du continent africain ont continué à être en bénédiction autour d'elles, en mettant en pratique la méthode de Jésus. Leur motivation persévérante a fait une différence dans la vie de bien des personnes. Merci de prier pour les efforts que font les femmes pour entrer en contact avec les démunis dans cette partie du monde. Merci de votre soutien pour la mission.
Je vous invite à vous tenir debout pour accueillir les officiants qui vont prendre place et à nous préparer pour entonner notre doxologie. Gloire soit à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensemble avec nous. Gloire soit à Dieu le Père. Seigneur, accepte ce culte que notre front fait un vide en nous et renvoie-nous, Seigneur, fortifié par ta grâce. Nous t'en supplions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien avant que tu n'aies franchi les portes de l'église de Paris-Est, ou que tu te sois connecté pour être avec nous, notre Dieu était déjà là pour t'accueillir. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu majestueux, qui, dès la création du monde, avait déjà planifié ce rendez-vous hebdomadaire avec ses enfants. Et je suis heureuse que tu sois au rendez-vous ce matin. Les choristes qui vont me rejoindre tout à l'heure, les musiciens, ceux qui officient, se joignent à moi pour te souhaiter une bienvenue toute particulière. Nous voulons que tu nous accompagnes dans la louange. Mais pour toi qui peut-être ne te sens pas dans les dispositions de cœur pour être dans la joie, parce que tu souffres dans ton corps, tu souffres dans ton cœur, les problèmes, les difficultés, tu les traverses en ce moment, je peux t'assurer que ta présence avec nous aujourd'hui, ta présence avec ton Dieu est déjà une louange. Et je bénis l'Éternel pour cela. Lorsque dans ta vie, l'orage menace, ne t'inquiète plus, car Dieu entend les cris de ton âme. N'aie pas peur, car il te protège. Notre Dieu est fidèle, il est puissant, et la paix qu'il a promis, il te la donnera. Il est fidèle, notre Dieu. Il est puissant. La paix qu'il a promis, il te la donnera. Et je sais qu'un jour, nous serons vainqueurs, car notre Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Il part nous préparer une place, mais bientôt, sur les nues, il reviendra avec gloire et majesté pour nous prendre avec lui. Il sera là bientôt. Alors viens, viens avec nous, entre dans la louange, élève tes mains, élève ta voix, et de tout ton cœur, de toute ton âme, bénis Dieu. Bienvenue à toi, bienvenue dans la louange. Je remercie France-Aimé pour cette bienvenue très chaleureuse et je nous encourage à fixer les yeux sur Jésus. Jésus est notre ami suprême. Peu importe le ressenti de ton cœur en ce moment, Jésus est ton ami suprême et il se tient tout près de toi. Yeah.
Je vous invite à incliner vos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui nous as créés et qui as créé le sabbat où tu nous invites à contempler ta personne et tes œuvres, nous voulons te demander de disposer nos cœurs, nos esprits, notre corps même, à t'accueillir et à te contempler, de telle sorte que ressourcés, nous puissions affronter la semaine qui arrive. Nous voulons surtout, Seigneur, te demander, pour nous qui fréquentons cette Église depuis longtemps, nous voulons vraiment que tu te révèles à nous et que, de fait, nous puissions constater qui nous sommes, que nous nous humilions devant toi et que nous apprenions à t'élever et à obéir à ta parole, afin que nous soyons une lumière dans le lieu où tu nous as placés, que ce soit cette Église, mais que ce soit nos personnes individuellement dans notre travail, dans notre famille et dans tous les lieux où nos pas arrivent. Que ta paix et ta grâce remplissent ce lieu. Que ta paix et ta grâce remplissent ce temps. Que ta paix et ta grâce remplissent nos personnes et que ton nom soit hautement élevé au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour les enfants, vous allez bien avec cette chaleur? Donc ce matin, je voudrais vous rappeler que Jésus, notre Jésus, nous aime. On a beaucoup d'histoires dans la Bible où on voit que Jésus aime les enfants. Je vais prendre l'histoire et vous allez continuer la lecture avec vos parents dans Jean 9, versets 1 à 12, où Jésus, il y avait un aveugle, il a fait de la boue avec sa salive, il a fait de la boue et l'a mis sur les yeux de l'aveugle et il lui a dit d'aller à la fontaine de Siloé et il sera guéri. Alors ce matin, pour continuer dans l'histoire de Siloé, dans l'histoire de l'amour de Dieu, Cléo, Céleste, Diane, Shine vont vous interpréter un morceau musical Jésus même, dans la continuité de l'histoire. Écoutons-les. Thank you.
Merci, merci beaucoup. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter avec les enfants. Ça vous va déjà, les enfants? Je veux vous entendre chanter. On va reprendre encore une fois. Je veux vous entendre chanter. Les adultes aussi. Est-ce que Jésus vous aime? Amen. Amen. Mais on va le dire avec plus de conviction. Est-ce que Jésus nous aime? Amen. Amen. On va reprendre tous ensemble. Merci les enfants et à samedi. Maintenant c'est ton moment, une histoire mon enfant, où Dieu notre créateur te dit qu'il t'aime tant. Maintenant c'est ton moment, une histoire simplement. Viens et ouvre ton cœur. Viens et ouvre ton cœur. Je vous invite à lire dans la Bible, dans le psaume 145 au verset 21, les paroles suivantes. Le psaume 145 au verset 21. Que ma bouche, que ta bouche, que nos bouches disent la louange de l'Éternel, et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Amen. J'ai oublié de vous préciser, vous pouviez vous rasseoir. Merci.
tous. Ce moment ne doit pas être un moment particulier. C'est un culte chanté, mais ce n'est pas un moment particulier. Dans le sens où la chorale n'est pas là pour chanter pour vous. La chorale ne peut pas se justifier en chantant pour vous. Si à la fin de ce culte, il y a une personne qui prépare une tarte, elle a préparé une tarte pour que cette tarte soit mangée au rez-de-jardin, celles et ceux qui mangeront la tarte ne seront pas justifiés par la tarte. Parce que la tarte n'a pas été préparée d'avance pour que la personne se justifie par ses œuvres en la mangeant. Nous croyons que Dieu a préparé d'avance les chants que nous allons faire ce matin. Et je nous invite à les partager ensemble. Fredonnez-les, chantez-les, pour que nous puissions simplement partager ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. C'est dans cette optique-là qu'il faut regarder la chorale, et c'est dans cette optique qu'il faut nous regarder. Il n'y a pas de chant qui vous soit destiné. Tout revient à la gloire de Dieu. C'est lui qui a préparé, c'est lui qui inspire et c'est lui qui reçoit.
Et après ces trois beaux chants, je nous invite à chanter ensemble « Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond ». Je vous invite à vous lever et nous allons lire le psaume 136 ensemble. Vous allez simplement répéter, car sa miséricorde durera toujours. Aux différentes acclamations de l'Éternel, vous répondrez, car sa miséricorde durera toujours. Au psaume 136, nous lisons, louez l'Éternel, car il est bon. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a coupé en deux la mer rouge, qui fit passer Israël au milieu d'elle et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Celui qui frappa de grands rois. Qui tua des rois puissants. Shion, roi des Amoréens. Og, roi de Bassan. Et donna leur pays en héritage. En héritage à Israël, son serviteur. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés.
et nous délivra de nos oppresseurs. Celui qui donne de la nourriture à toute chair, car sa miséricorde sera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde sera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde sera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde sera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde sera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde sera toujours. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Nous avons, nous, Église, un cas de conscience à mettre au clair, si je puis dire. Il ne faudrait pas que nous laissions notre louange à d'autres. Ne laissez pas votre louange au chantre le samedi matin. En les regardant, oh, ils ont bien chanté. Je n'aime pas comme tu es habillé, mais c'était beau. Ne laissons pas la louange aux autres. Comme si les autres étaient venus pour nous satisfaire, pour répondre à un besoin charnel d'entendre de belles mélodies. Ne laisse pas ta louange non plus aux gens de l'extérieur, qui viennent te montrer comment tu dois louer et adorer. As-tu déjà oublié quelle a été ta louange dans le passé? Ne te rappelles-tu plus du nom de Jésus-Christ? Pourquoi Jésus n'inspire plus le samedi matin? Pourquoi nos bouches sont silencieuses le samedi matin? Ce n'est pas un reproche, mais Dieu est grand. Les morts ne loue pas. Ils ne peuvent pas louer parce qu'ils dorment. Ils devront attendre la résurrection pour louer. Ceux qui sont vivants, c'est nous. Nous sommes vivants. Que celui qui est muet loue l'Éternel, parce qu'il a le souffle de vie. Que celui qui n'entend pas, qui est sourd, loue l'Éternel. Qu'il se frappe la poitrine s'il perd le rythme parce qu'il n'entend pas, mais qu'il loue l'Éternel. Ceux qui ont une bouche, qui louent l'Éternel. Que toute l'assemblée loue le nom du Seigneur. Thank you.
Voici quelque chose de beau dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous la vivons restée pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Amen. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Avec eux, les morts, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est le sujet de nos louanges. N'attendons pas, louons-le maintenant. Nous avons la foi, louons-le maintenant. Chantons tous ensemble. Chantons tous ensemble, oh j'ai besoin de toi. Parce que sans Jésus-Christ à nos côtés, dans nos cœurs, dans nos vies, nous ne pouvons être qui nous sommes. Et je nous invite vraiment à chanter ce chant en ayant à l'esprit que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais vraiment, on ne peut rien faire. Rien de rien. Qu'on ait des problèmes de santé, sans Jésus, on ne peut pas se lever. Myriam, c'est la preuve. Sans Jésus, si tu as des problèmes d'argent, tu dis comment je vais trouver l'argent pour payer mon loyer, pour payer ma formation, pour payer l'électricité. Jésus te donne la solution. Quand tu vois que tu as des problèmes relationnels avec ton conjoint, avec tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs de l'église, tu te demandes comment tu vas faire. Jésus est la solution. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse chanter ce chant en ayant tout ça à l'esprit. Chacun d'entre vous, ici présent, même derrière dans votre canapé chez vous, vous avez des problèmes. Mais avec Jésus, tout est possible et vos problèmes sont déjà résolus. Oh, j'ai besoin de toi. Oh,
Amen. Thank you.
de gloire. L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire.
Vous savez donc à quel point Dieu est fidèle. Vous savez à quel point il est puissant. Aucun nom autre n'a été révélé que le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut être fidèle, nous, mais le problème, c'est qu'on n'est pas forcément puissant. Nous sommes limités par rapport aux contraintes que nous rencontrons. Si nous promettons d'aller dans un magasin et que malheureusement le magasin est fermé, qu'est-ce qu'on a fait? On y était de bon cœur parce qu'on a promis quelque chose dans cette fidélité. Mais malheureusement, sans puissance, la parole, elle reste là où elle est. Tandis que la parole de Dieu, lorsqu'elle part depuis la Genèse, elle s'accomplit certainement. Lorsqu'il parle, sa parole, faites ce que vous voulez, il a parlé, la parole s'accomplit. Amen. Amen. Je vous demanderai de chanter avec nous le chant fidèle, vous le connaissez. Nous dirons qu'il est fidèle, nous dirons qu'il est puissant et que son nom est Jésus. Amen. Nous n'avons rien d'autre à dire que ça. Qu'il est fidèle, qu'il est puissant et que son nom est Jésus. Que son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Fidèle, fidèle, fidèle est ton nom.
Le Seigneur a été glorifié, exalté, son nom a été élevé. Nous avons donc mis Dieu en lumière. Apocalypse 1, écoutez bien. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elle. Le mystère de sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Sept chandeliers et le Fils de l'homme au milieu, c'est nous. C'est nous. Avons-nous conscience de ça? C'est nous dont on parle. Amen. Soyons vainqueurs dans le nom de Jésus.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me tarde vraiment que Jésus revienne. Amen. Jésus, toi seul, sais quand tu reviendras, mais sache que nous t'attendons afin que nous soyons délivrés. Nous en avons marre du péché, marre de cette vie d'angoisse avec tout ça, donc il est vraiment temps que nous soyons tous, nous sommes nombreux en ce matin, et nous sommes vraiment, c'est ça notre espérance, le retour de Jésus. Donc j'espère que quand Jésus reviendra, nous serons tous, vraiment tous avec lui. Pour être celui que Dieu choisit dans ces temps troublés, appelé à être son témoin pour ceux qui perdent leur route, je veux être son instrument afin que tous puissent savoir qu'il est fidèle à la promesse, qu'il est fidèle à la promesse qu'il a faite un jour. Je sais qu'il reviendra bientôt. Oui, il sera là, il sera là bientôt. Chante gloire, alléluia, exaltons le nom de Dieu. Loue Dieu, il reviendra bientôt. Il nous prépare une place. Et le moment venu, que ce soit matin, midi ou soir, il reviendra et nous prendra tous avec lui. Chantons encore, il reviendra bientôt.
comme il reviendra bientôt, pendant qu'il n'est pas encore là, nous aspirons à ce qu'il puisse nous conduire. Peu importe le chemin que nous voulons suivre, nous espérons que ce soit le bon chemin. Et je vous invite à pouvoir chanter ce chant qui dit « Conduis-moi et je te suivrai ». Et j'invite les diaconesses à pouvoir passer dans les rangs pour recueillir le fruit de notre reconnaissance. Et pendant ce recueil, nous chanterons ce chant qui dit « Conduis-moi et je te suivrai ». Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Alors conduis-moi et je te suivrai. Se décider quand la route m'est inconnue, les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi, car tu m'as fait une promesse, celle d'être à mes côtés, de me conduire, me guider. Oui, Seigneur, j'y crois. Parfois je me sens si seule, mais je sais que tu es là. Mon cœur désire te suivre.
Je demanderai à l'Assemblée de bien vouloir se lever pour que nous puissions prier ensemble. Inclinons la tête. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, toi qui es au-dessus des cieux, toi, Seigneur, dont le trône est éternel, toi qui es notre Créateur, toi à qui appartient l'univers, c'est vers toi, Seigneur, que nous faisons monter notre prière. Et nous voulons te dire merci pour ce sabbat que tu nous as donné. Nous voulons aussi te dire merci parce qu'un jour tu nous as donné, tu nous as créé, mais avec une voix. Et ce matin, Seigneur, nous avons élevé nos voix vers toi. Mais ce que nous avons voulu, Seigneur, c'est t'élever, Seigneur, à travers, Seigneur, nos louanges. Et si tel n'est pas le cas, nous voulons, Seigneur, te dire pardon si tu n'as pas été élevé, Seigneur, au niveau, au point, Seigneur, que tu l'attendais de nous. Mais nous te disons avec un cœur sincère, forme-nous, Seigneur, afin que nous puissions bien te servir. Gloire te soit rendue par Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. De Pierre. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'entraînement, par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je remercie chacun d'avoir pu participer à ce culte chanté, à ce moment d'adoration et de louange. Je vous donne rendez-vous sabbat prochain. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'était le sabbat du partage. Donc, je pense qu'à l'issue du culte, chacun pourra aller partager ce qu'il a apporté. Je vous souhaite un bon sabbat. Et pour la sortie, nous vous chanterons un dernier chant.